Et il y aura également le zapping télé sur Radio Mont-Blanc, mais pour le moment, on va parler ensemble de François Hollande. Le président français a, on va dire, il a fait à nouveau l'objet de moqueries sur la toile après qu'un quotidien néerlandais ait publié une compilation de ses mains serrées, soi-disant ratées. Ah, tu l'as vu? Ouais. Alors, soi-disant ratées, c'est-à-dire que quand tu te prends un vent, hein, tu tends la main, puis le mec, il se retourne, ou alors il salue, et puis toi, tu, t'as ta main, il me tire pas la main, et voilà, tu te prends un vent. Donc, ce quotidien néerlandais propose à ses lecteurs une double page, ils ont fait ça bien, intitulée Poignée de main ratée, où ils ont compilé les photos du président français main tendue vers un interlocuteur non réceptif. Alors, une rétrospective amusante, mais totalement de mauvaise foi, faut le dire, hein, c'est ce que souligne d'ailleurs le Huffington Post, qui précise que quelques secondes après ces clichés, certaines personnalités ont tendu la main au chef de l'État pour lui serrer la main, mais pas toutes. On n'a pas les noms de personnes qui ont mis des vents à François. Mais en tout cas, voilà, reste que sur les réseaux sociaux, cette compilation des faux bides, ou des vrais, ça dépend, on ne sait pas, du président français, amuse et est largement partagée. En même temps, on s'est tous pris des vents. Hein, soit en faisant... C'est ça, même en faisant la bise. Ah, alors ça, le fameux nombre de bises, on pourrait en parler. Il y en a dans, c'est, alors dans l'ouest de la France, je sais que par chez moi, là-bas dans l'ouest, c'est 4 bises. Ici, c'est 2 bises dans le coin. Donc tu te prends des vents, tu fais un, puis après, oui, puis, et tu t'en la joues, puis l'autre se barre. Et puis il y a aussi les hésitations, tu sais pas par quelle joue commencer. Tu sais, tu te rapproches du visage de la personne, puis c'est la droite-gauche. Et parfois il peut arriver une catastrophe, hein, sur la bouche. Hein. Ça peut arriver. Oh. Ça peut arriver. Ou alors tu prends un vent quand t'essayes d'embrasser quelqu'un aussi, tu peux. Ah, on a tous. Non, mais pas la bise, hein, carrément galoché, je veux dire. Ah tu oui. Tu vois ce que je veux dire, tu peux te prendre un vent aussi, ça arrive. Et te tend la main. Ah mince, hop, hop. Mais non. Ça c'est un râteau, c'est plus un vent ça. Oui, c'est ça, un râteau. Ou alors c'est un vent force 7, quoi. C'est, tu te prends le gros vent. Et alors, moi, ce qui, avec mes potes, quand on était beaucoup plus jeunes, on s'amusait quand un de nous prenait un vent, c'est-à-dire en serrant la main, ou, c'est, voilà, ou alors quand t'appelles quelqu'un et le mec se retourne et il se barre, ou alors voilà, tu prends un vent, et bien on s'amusait entre nous à chanter. C'est-à-dire que quand il y en a un qui se prenait un vent, par exemple, eh bien, nous, on lui chantait ça en même temps, quoi. Allez, viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens. Ou alors, toutes tes chansons avec des vents, t'avais celle-là aussi, quoi. Le vent nous tortura. Quand il se prenait un vent, quoique maintenant, en cette période, c'est plutôt ce vent-là, quoi. C'est... J'attendais. Quoique c'est pas agréable un vent. Et les photos donc de ce quotidien néerlandais avec tous les vents de François Hollande, on mettra ça sur le site de Radio Mont-Blanc, radiomontblanc.fr. Et là, vous cliquez sur émission et après morning. Radio Mont-Blanc.